Bienvenue dans Dossier Schaeffer. À côté des moyens classiques d'enquête et des avancées de la police technique et scientifique, les sciences humaines peuvent aider à élucider un crime. Inspirées par la psychologie, de nombreuses disciplines sont apparues depuis une cinquantaine d'années. Appelées analyse comportementale, psychocriminologie ou profilage criminel, ces techniques, parfois très décriées, reposent sur l'expérience, la logique et l'intuition. Aujourd'hui, Dossier Schaeffer reçoit Jean-François Abgral, ancien gendarme et maintenant enquêteur privé. Ensemble, nous reviendrons sur les origines du profilage développé dans les années 50 aux États-Unis et sur son utilisation en France. Ensuite, nous retracerons le parcours criminel de l'un des tueurs en série français les plus prolifiques, Francis Holm. Enfin, nous découvrirons comment la recherche en psychologie peut permettre d'améliorer l'efficacité des portraits robots. Notre invité, Jean-François Abgral, a passé plus de 20 ans au service de la gendarmerie. C'est alors qu'il travaille dans le groupe homicide de la section de recherche de Rennes en 1989 qu'il croise pour la première fois la route de Francis Holm. Il passera des années à reconstituer l'invraisemblable parcours criminel de celui que l'on nommera le routard du crime. En 2000, il quitte la gendarmerie et devient enquêteur privé. Son expérience du terrain et sa formation d'expert en psychocriminologie à l'université de Rennes 2 lui permettent de poser un nouveau regard sur l'enquête. En 2002, il raconte au public sa traque de Francis Holm en publiant « Dans la tête du tueur ». Jean-François Abgral, lorsque vous étiez enquêteur à la gendarmerie pendant près de 20 ans, vous avez sillonné la France, notamment quand vous avez travaillé sur l'affaire Francis Holm, le routard du crime. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes enquêteur privé, les choses n'ont pas tellement changé, vous êtes toujours entre deux trains ou deux avions. Finalement, le voyage, le déplacement fait partie intégrante de votre vie d'enquêteur. C'est évident, parce qu'une enquête, c'est physique, c'est beaucoup de déplacements. Il faut aller rencontrer les témoins, s'imprégner des lieux du crime, et puis chercher des indices. Et tout ça, c'est des déplacements. Il faut l'accepter au départ, et ça fait partie de la vie d'enquêteur. Alors vous avez le titre d'expert en psychocriminologie, une discipline que le grand public a du mal à cerner. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors, la psychocriminologie, telle que je la pratique, moi, c'est plutôt de l'analyse criminelle. C'est amener un regard ou un questionnement autre que le raisonnement purement matérialiste d'un enquêteur qui doit trouver des indices et des preuves matérielles. Moi, mon travail se base essentiellement sur la recherche de sens, essayer de traduire le sens de l'acte et comprendre toutes les étapes psychologiques de l'auteur, de façon à essayer de déterminer à qui on a affaire et pourquoi ça s'est passé comme ça, et éventuellement, enfin surtout d'ailleurs, même, je dirais, de faire des rapprochements entre des faits qui, apparemment, ne se ressemblent pas. À la suite de l'affaire Holm, la gendarmerie a créé le groupe d'analyse comportementale, une cellule censée s'occuper des affaires jugées complexes avec une nouvelle approche de l'enquête plus psychologique. Et on a vu par ailleurs depuis quelques années des gens qui n'ont aucune expérience de l'enquête s'auto-proclamer profileurs. Des lois sont venues heureusement encadrer cette profession. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène ? Je pense qu'il était temps de mettre de l'ordre dans tout ça. Parce que l'analyse criminelle, en tout cas telle que je la pratique, c'est qu'une aide à l'enquête. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de formation spécifique pour les analystes criminels ou les profileurs, suivant le terme. Et personnellement, je crois que tout ça ne peut être pratiqué que par des gens qui ont une culture de l'enquête, un minimum de connaissances en médecine légale, en police technique et scientifique, donc en technique d'enquête pure. Et en psychocriminologie. Donc des gens qui ont été forcément sur le terrain, qui ont déjà vu des scènes de crime, pas des théoriciens simplement. Bah évidemment, tout à l'heure on parlait des déplacements et du caractère physique de l'enquête. Je pense qu'il faut non seulement avoir une connaissance de tout ça, connaître exactement la formation des enquêteurs initiaux pour pouvoir porter une critique et éventuellement compléter leur travail. Et il ne faut pas oublier que l'analyse criminelle, ça ne reste qu'une aide à l'enquête. C'est dans le début de l'après-guerre, avec l'affaire Mad Bomber, que naît le profilage.
Pendant 16 ans, New York est secouée par une trentaine d'attentats, sans que la police ne parvienne à identifier l'auteur. James Brossel, psychiatre, analyse alors les lettres anonymes laissées par le poseur de bombes et en tire un profil psychologique très précis. Il s'agirait d'un paranoïaque, slave, âgé de 50 ans, vivant dans le Connecticut et portant même des costumes croisés. George Metesky est arrêté 2 mois plus tard, tout concorde. Le profilage, dès ses premiers pas, apparaît déjà comme un soutien dans les enquêtes de sérialité. Il y a, je dirais, cette minorité de crimes où, par exemple, l'assassin et sa victime ne se connaissent pas, qu'il s'agisse de violeurs en série, de pédophiles ou de meurtres en série. Et là, dans ce cas précis, il n'y a pas de mobile apparent. Ce mobile, il faut aller le chercher dans le cerveau du tueur, au cœur de ses fantasmes. Et là, l'outil psychologique est très important pour permettre de décrypter et de lire avec un regard nouveau la scène de crime pour tenter de détecter la signature psychologique du tueur. Dans les années 70, les États-Unis connaissent une flambée de ces crimes appelés « sans mobile apparent ». Le FBI crée une unité spéciale dont les membres surnommés les 12 salopards ont pour mission de plonger dans l'esprit des criminels en série. Ils mettent au point un fichier de recoupement de données relatives aux homicides qui va conquérir de nombreuses polices à travers le monde. La Belgique, comme la France, a choisi de suivre leur exemple et de mettre en place le fichier SELVAC, le système d'analyse des liens de violence associés aux crimes. Ce fichier permet de faire des rapprochements factuels et psychologiques entre des crimes et de repérer ainsi des liens éventuels. Le SELVAC est donc un outil indispensable au profilage. Gendarmes et policiers l'alimentent en données très précises, comme le profil des victimes, la manière de procéder du tueur, le lieu. Donc voilà, par exemple, ça c'est un carnet que les enquêteurs vont devoir remplir dans le cadre du fichier SELVAC. Et ce n'est pas toujours évident parce que ce sont des questions assez spécifiques, des questions d'ordre comportemental. Donc par exemple, quelle est l'approche de l'auteur sur la victime, comment il la maîtrise, quels mots il a utilisés. Si on parle par exemple d'un viol, est-ce qu'il a été impoli, grossier, ordurier, ou au contraire, il s'est excusé de ce qu'il faisait, il s'est inquiété s'il faisait mal à la victime. Concrètement, vous seriez surpris de voir comme notre travail peut être tout à fait ennuyeux, selon certains points de vue, c'est-à-dire que... On travaille autour de dossiers. L'essentiel de ce qu'on fait, c'est lire du papier, voir des photos, faire des schémas, mais ce n'est pas du tout l'essentiel que d'aller sur des scènes de crime, avoir des flashs ou des choses comme ça. Elle est sur le ventre, hein, quand on la retrouve. C'est vrai que la tête contre le sol, ça peut être une forme de déshumanisation ou dépersonnalisation. Ici, ce fait que le coup a été porté la tête contre le sol, donc c'est aussi la manière dont l'auteur a agressé la victime qui fait qu'on la retrouve dans cette position-là. Ici, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il a utilisé des éléments d'opportunité pour l'agresser, puisque c'est son propre sac à main qui a été utilisé pour l'étrangler. Ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle les lividités cadavériques. Ça peut être un des indicateurs pour déterminer l'heure de la mort. La manière dont on travaille n'est pas du tout solitaire, mais plutôt en équipe. Et c'est un de nos principes importants, c'est justement de travailler en multidisciplinarité. Donc les psychologues amènent quelque chose, mais on a aussi dans notre équipe une sociologue, des criminologues, et puis alors on travaille en équipe avec les enquêteurs du dossier. Partout dans le monde, les profileurs fascinent. Hollywood inonde les salles de films où des héros modernes traquent des tueurs en série devenus des monstres d'intelligence et de perversité. Le profilage fait naître de nombreuses vocations. Actuellement, vous avez littéralement des centaines de jeunes filles qui s'inscrivent en psycho pour devenir profiler, partir à la chasse aux tueurs en série. Et moi, de par mes livres et mon site internet, je reçois à peu près plus d'une centaine de lettres ou d'emails par jour, dont plus de la moitié, je dirais, souffrent du syndrome Clarice Starling, c'est-à-dire de jeunes filles, quelquefois très jeunes, 13-14 ans, qui rêvent de devenir profileuses. Le profiler, c'est quelqu'un qui fascine, comme s'il était effectivement une sorte de contrepoint. C'est un héros du bien, hein,
c'est quelqu'un doté d'une intuition tout à fait particulière, au point d'ailleurs qu'il peut être dans certains films ambigu, c'est-à-dire comment a-t-il une telle intuition du mal ? Je crois que c'est extrêmement important de ne pas se laisser embarquer par cette espèce de mythologie très trompeuse qui peut, à certains moments, par exemple, atteindre un véritable degré de folie médiatique. Si le profilage a pu se montrer utile dans certaines affaires, dans d'autres, en revanche, les résultats ont été littéralement hors sujet. Automne 2002, un sniper sème la terreur dans la région de Washington. Il tire à vue sur les passants. En 3 semaines, 10 personnes sont abattues. Les indices sont maigres et les enquêteurs font appel au profilage. Ils pronostiquent un homme blanc, seul, colérique et sans enfant. Erreur, ce sont John Allen Mohammed et son beau-fils John Lee Malvo qui sont finalement arrêtés, puis jugés coupables. En France également, l'expérience d'associer enquêteurs et profileurs n'a pas toujours été couronnée de succès. Une affaire récente a sérieusement refroidi l'engouement pour le profilage dans notre pays. Un matin de décembre 1998, dans la vallée des Eaux-Claires, près d'Angoulême, le corps d'une jeune femme de 30 ans est découvert dans une voiture calcinée. La justice nomme une profileur afin de guider les enquêteurs. Dans son rapport de 6 pages, Michel Agrapard-Delmas dresse le profil de la personnalité du tueur. Le petit ami de la victime est alors arrêté. Mon rapport allait jusqu'à dire que sa personnalité était compatible avec ce type de passage à l'acte. Pour des motifs très, très clairs qui sont exposés, il envoyait des lettres où il se consumait d'amour, où il brûlait d'amour, etc. Donc on avait une compatibilité de personnalité entre cette personne et les faits. Et mon travail s'est arrêté, la compatibilité de personnalité. Mais effectivement, dans la mesure où je ne l'ai pas vu, il ne s'agit pas d'une expertise. Et je crois que ça a été là le gros problème. Son rapport est pourtant convaincant et la machine judiciaire s'emballe. Garde à vue, mise en examen et incarcération du petit ami de la victime. Son avocat a dû batailler 11 mois pour lever les accusations. On prenait mon client comme le suspect d'origine et on en faisait le coupable à la fin du rapport d'expertise. Et ça, effectivement, j'ai commencé à batailler contre ce rapport et ça a été ensuite une très très grande bataille qui aboutit à la ruine totale de l'expertise, mais aussi de la procédure, tellement la contamination du rapport s'étendait à tous les actes de la procédure. Le 1er octobre 2002, la cour d'appel de Bordeaux annule l'expertise. Elle annule aussi la mise en examen. Un coup de semonce pour la profession de profileur. Depuis, la justice française utilise les experts avec réserve. Et un projet de loi tente de codifier la profession, où les profileurs devront être impérativement officiers de police judiciaire. Lorsqu'on fait appel à des psychologues du privé, les résultats sont nettement moindres, tout simplement parce que ces psychologues du privé ne sont pas disponibles 24 heures sur 24, ils ont leur propre cabinet privé à gérer, et en plus ne sont pas au fait de l'investigation criminelle. Et ça, c'est vrai que c'est un point extrêmement important. Il faut vraiment que les profilers soient des gendarmes, soit des policiers, et qu'on ne fasse pas appel à des psychologues du privé, sauf pour quelques expertises ponctuelles. Le profilage ne peut rester qu'un soutien à l'enquête criminelle traditionnelle. Ce type d'expertise ne doit pas être considéré comme une vérité absolue. La recherche des preuves et indices matériels demeurant indispensable pour faire tomber les coupables. Dans la plupart des affaires de tueurs en série qui ont touché notre pays, vous dites que les policiers ou les gendarmes ont mené une enquête inversée. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là ? L'enquête inversée, c'est le fait d'avoir besoin d'un criminel pour le confondre. C'est donc que notre système n'a pas su détecter un parcours criminel et que, quelque part, on est obligé de passer par une connivence, par une relation, par quelque chose, un lien avec ce criminel pour obtenir de lui des informations contre lui. C'est donc une enquête inversée. Donc c'est une enquête qui arrive en général un peu tard, et s'il s'agit de criminels en série comme Fourniret, comme Chanal, comme Holm aussi, qui ont déjà tué. Voilà. C'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un dont on soupçonne un parcours criminel important,
Et puisqu'on n'a pas su le détecter, on est obligé de passer par lui. Et c'est donc un constat d'échec, en fait, de notre mode de détection, de nos outils d'enquête. Alors dans ces affaires de criminels en série, vous mettez aussi en garde contre l'idée de se focaliser sur le mode opératoire. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. On a tendance à dire, voilà, il faut regarder la façon dont il a tué, le mode opératoire. Et vous dites, attention, non, il ne faut pas fonctionner de cette façon. Voilà. Le mode opératoire, si on parle de tueur en série, par définition, ça implique la répétition à l'identique, la série. Et en fait, on ne marche pas comme ça du tout. Le mode opératoire, il serait intéressant de le considérer non pas comme un acte abouti, mais comme le résultat d'une action. Donc ça finit comme ça. Donc le crime est le résultat d'une action. Le résultat d'une action, mais pas forcément de l'objectif suivi par l'auteur.